Kwezi, je suis venu du Rwanda et je suis venu ici donc pour présenter mon film intitulé Umutoma, donc en français c'est le mot doux. Dans mon enfance, j'aimais donc de faire le théâtre et après lorsque j'ai fini mon école supérieure, j'avais imaginé que c'est bien d'entrer dans le cinéma. Et alors c'est comme ça que j'avais donc commencé. Dans mon enfance, je me les vois donc les films de Lambo, de Schwarzenegger. Et après, j'étais à Cannes en 2007. Et j'étais donc l'un des artistes qui sont donc travaillant dans le film Munyurangabo, qui était sélectionné au Festival de Cannes. Et lorsque j'étais là-bas à Cannes, j'avais vu que donc je peux quand même changer le style de faire le film. Mon film intitulé Umutoma, c'est l'histoire d'une jeune fille qui n'a pas le choix entre les deux garçons qu'il aime. L'un est riche et l'autre est pauvre. Et alors, c'est dur pour elle pour faire un choix. Au Rwanda, donc, après le génocide de 1994, et nous aimerions donc de raconter les histoires de ce qui s'est passé dans la période. Mais aussi, j'avais pensé que c'est très important de retourner la page et de raconter les autres histoires que nous avons dans le pays. Le cinéma, c'est l'art. Et moi, j'aimerais d'être donc un artiste. C'est bien pour moi donc pour dire ce que je vois dans la société. Donc c'est pourquoi j'aime d'être un cinéaste. C'est pour être la parole des gens qui n'ont pas la chance donc de parler ce qui. Ouais. Donc au Rwanda tout va bien. Et après 20 ans après, il y a le développement dans le pays et aussi même dans le cinéma. Il y en a beaucoup de gens, surtout les jeunes gens, qui travaillent beaucoup et qui aimeraient donc d'être dans le cinéma. Ça aide, donc c'est le moyen de montrer ce que j'ai, ce que je pense, ce que j'imagine. Donc, tu vois, c'est le moyen de se rencontrer avec les autres cinéastes, et de parler, de discuter. C'est bien pour moi. Je souhaite donc de revenir encore ici l'année prochaine ou d'aller dans un autre endroit où il y a le festival comme celui-ci. Cinéma Niyukuri, Kuri Africa, 2024.